bien, salut à tous, c'est Hélène Zilt et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de ma série en hardcore. Donc j'ai vu que l'épisode 1 vous a beaucoup plu, il y en a même qui voulaient que je meure, d'une façon stupide en plus. On m'a dit, on voulait que je meure d'une façon stupide. Écoutez, ça m'a fait chaud au cœur. Non mais voilà, j'étais très content de vos retours, donc c'est pour ça qu'on va passer à 2 vidéos par semaine. Donc normalement cette vidéo sera postée mercredi à midi. Donc c'est parti, donc on va commencer à se faire un petit stuff en fer. Donc voilà, c'est une raison de plus aussi pour que de ne pas mourir, je n'ai pas envie de vous décevoir. Ou alors de vous faire plaisir, voilà, j'ai pas envie de vous faire plaisir. Parce que je sais que vous aimeriez que je meure. Bon, c'est parti, on va prendre ça. On va redescendre là-bas, attendez. Voilà, on va augmenter juste un peu notre son. On avait entendu une araignée. Une araignée. Pardon. La jolie petite musique Minecraft qui se lance. Ouais, donc on avait entendu une araignée, donc je pense qu'il doit avoir une grotte pas très loin. Elle était par là. Ouais. Bon, ça vous dit qu'on reparle un peu de politique? Ouais, donc je sais pas si vous avez vu, il y a Marine Le Pen donc, qui est passée à la télé et ils ont parlé de torture de je sais pas quoi et elle a dit oui que enfin elle a pas dit oui c'est super la torture mais bon elle a dit que elle pourrait je pense utiliser la torture. Bon bref, elle a fait une petite gaffe après, elle a essayé de se récupérer sur Twitter, c'était assez drôle. Et voilà, moi je voulais dire ce que j'en pense. Ce que j'en pense c'est que la torture, je vois pas qu'est-ce que ça peut faire sérieusement. Je veux dire, regardez les otages français, ils sont sûrement, on va pas dire qu'ils sont bien traités, donc ils sont maltraités. Ils sont peut-être même torturés. Donc la torture, après, je vois pas ce que ça peut avoir de mal. Si c'est pour faire parler des gens, s'il y a des... voilà, comme je sais pas si c'est elle qui l'a dit, si par exemple on est obligé de torturer cette personne pour avoir des informations, si on peut sauver des vies en torturant cette personne, bah oui on peut le faire, je suis désolé, enfin c'est pas logique autrement, enfin c'est complètement con je pense. Il vaut mieux torturer une personne que surtout une personne qui ben voilà, qui ne respecte pas les lois. Il vaut mieux la torturer et sauver des vies, sérieusement, enfin... Je sais pas, moi, ça me semble logique et normal. Voilà, et ensuite, je sais pas si vous avez vu, il y a Serge Lazarevitch, je crois. Il a été libéré. Donc, il y a eu du bordel aussi, tout simplement, parce que... les gens... Enfin, il y a eu un... Je sais pas comment, on va dire. Oula. C'est quoi ça? Ah oui, c'est mon trou, ok. Oui, que François Hollande a dit ouais on a rien donné, bah vous avez forcément donné quelque chose, je suis désolé, on peut pas. Oh, les otages ils les ont pas rendus comme ça, s'ils prennent les otages c'est pour avoir quelque chose en échange. Donc bon, apparemment ce serait le Mali qui aurait donné qui aurait rendu des prisonniers, c'est totalement juste. Donc là François Hollande il a raison. Je veux dire, c'est comme si nous on avait donné des otages parce que voilà, je pense que ça avait été préparé depuis le début, que si les Français, enfin que si les, oui, que si la France intervenait au Mali, donc les Maliens qui devaient sûrement avoir des prisonniers djihadistes, bah ils essayaient de les donner. Enfin, de les échanger contre des otages français. Je pense que c'est un accord comme ça qui a été fait, parce qu'autrement, je pense pas que ça s'est décidé comme ça. Autrement, je pense pas que les Français seraient venus aussi. Encore du fer. Bon, je trouve pas cette grotte, ça commence à m'énerver. On va prendre ce fer, on va finir notre équipement. Il nous manque les bottines. On va se recrafter une pioche. Oui, donc voilà. C'est impossible
dans l'histoire, il y a forcément quelqu'un qui a donné quelque chose, que ce soit de l'argent, des armes, voilà, ou des hommes, ou des plans, enfin je sais pas après, hein, personnellement, j'ai pas été leur demander, mais c'est pas possible que la France n'ait rien donné. Peut-être qu'ils n'y ont pas participé directement, mais en tout cas ils sont forcément liés indirectement. Ça c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Ah, ma pioche est cassée. On va s'en refaire une autre. Une petite pioche. Alors il est midi parce que j'ai juste pas mis mon timer. Ok, donc. Ok, parfait. Donc je voulais juste voir pour me repérer pour que je pas je fasse une vidéo trop longue. Parce que 20 minutes, je trouve que ça convient. Enfin, c'est bien comme vidéo. C'est pas trop long, c'est pas trop court. C'est le juste milieu. Voilà, allez. Les petites bottines sont là. Le fer. Alors ça, c'est quoi comme minerai? De la diorite. Sympa comme nom. Ça c'est des noms andésites. Ça, c'est des noms de pierres volcaniques. Et dommage après que ça serve pas à grand chose. Peut-être qu'on peut en faire un bloc. Attendez, on va voir. Diorite. Ah ouais. Pouillichette diorite. Mais on va voir ce que ça donne. Donne ça. Et la diorite normale. Ouais, bon, c'est pas très beau. Hein. Peut-être qu'on pourra encore le transformer, je sais pas. Mais c'est pas très très joli. Oui, on va se faire un seau. Le seau. Le seau. Hop. On va poser un peu de pierre, ça. Ça, le bois, on a besoin de le faire, on le garde là. Oui, donc, je vais essayer de ne pas crever. Parce que là, il y en a qui m'ont dit, tu vas crever comme un con et tout, ce sera super drôle. Ouais. Ah, ben voilà une grotte. Ah, mais non, c'est là. D'accord. Non, je vais essayer de ne pas vous décevoir, de vous montrer que je suis pas si nul que ça. Ah, c'est peut-être celle-là, la grotte? Non. Désespoir. Ouais, je vais essayer de pas crever, hein, quand même. Ah voilà, ça c'est intéressant, une petite faille. Parfait. Donc là l'objectif c'est vraiment d'avoir du diamant pour se faire la pioche et pour ensuite pouvoir miner l'obsidienne. Ou alors le portail de vers le Nether. Je le moule, mais ça je suis vraiment nul, je pense que je vais me le chier. Alors on va prendre tout ça et on va s'en aller. Hop, bah écoutez, on est plutôt pas mal, on est juste à faire épisode 2. Alors, on va se faire juste quelques torches. Hop. On va en avoir pas mal, voilà 40. J'ai encore oublié de changer mon Minecraft. Bon, après, c'est sympa aussi, hein. Parce qu'autrement, les torches ne servent à rien. Alors, la pomme, on prend, ça, on prend. Le sable, on prend. Cobble, on s'en fiche. Ok, voilà, c'est bon, on peut se barrer. On va se manier avant que la nuit tombe. Alors dans la faille ça va être très chaud. Parce que les mobs peuvent nous tomber sur la tronche comme ça. Et bon, ça a rajouté un peu de piment. Ça a pimenté un peu cette série. C'est vrai que pour l'instant il s'est rien passé. J'ai même dit pour l'instant je sens venir les conneries. Alors bon. Technique de pro. Alors on va torcher ici. Oh putain, c'est une grotte de merde. À part le fer, je vois pas ce qu'il y a. Hein. Je pense qu'on va être obligé de miner optimiser. Petit bruit. Ouais, mais vous savez quoi? On va miner au petit. On va partir. On récolte ce fer et on va commencer à miner optimiser. Donc pour ceux qui... What? Oh, regardez! Quand on a un F3. C'est nouveau ça? Ah, super! Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais c'est super. Ah, c'est vachement sympa ça. Ah, c'est pour voir faire des trucs perpendiculaires, je pense pas, ça sert à rien autrement. Bon, vous pouvez me dire dans les commentaires. Ah oui, pour la cape. Merci à ceux qui me l'ont précisé. Effectivement, c'est pour un nouveau jeu. C'est Scrolls ou je sais pas quoi. Enfin, apparemment, c'est pas un nouveau jeu. Il était déjà sorti, mais ils ont fait une mise à jour. Enfin, j'ai pas cherché plus que ça. Je sais même pas du tout à quoi ressemble le jeu. Donc c'est un jeu édité par Mojang, donc maintenant Microsoft.
Ceux qui ne savent pas encore, Microsoft a racheté Mojang. 2 milliards d'euros, je crois. Hein. On se dit que c'est quand même pas mal. Hein. Oui, donc on est à la couche combien? Couche 36, ok, on doit descendre un peu. Donc la couche du diamant, elle est à peu près niveau... niveau 10, 12, par là. Excusez-moi, je torche. Bon, là, normalement, les mobs ne peuvent pas venir. Je pense pas qu'ils peuvent me repérer. Attendez, music and sound. Players, ok. Weather, on va mettre un peu... voilà. C'est parfait. Ah, un zombie. Je sais pas si vous l'avez entendu. Cette fois, on va la voir, la grotte. En plus, les grottes... J'aime beaucoup ces grottes aux couches inférieures. Ah, voilà. Non, 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 pas. On a eu les verres, je vais essayer de me concentrer un peu. Oui. J'aime beaucoup les grottes en couches inférieures. Ah, voilà. Tout simplement parce qu'elles sont... Avec le diamant, enfin c'est trop joli, vous verrez par vous-même. Elles sont très dangereuses, mais... Bon zombie, il m'avait même pas repéré. Allez, Monster Hunter. Baisse un tout petit peu le son, excusez-moi, j'ai pas fait les réglages. Peur. Non, je ne vais pas mourir. Ok, une gunpowder. Ah, enfin, quelques mobs. Les mobs, ils vont nous servir à rien. À part si on va faire des TNT pour les creepers. Y a rien là, ouais. À part si on veut faire des TNT, mais on n'aura pas besoin. Oh, Joe, sorry. Non, reviens. J'ai tué la pauvre. Ok, donc je torche tout. Ça vaut mieux. Voilà, on est vraiment bien, sérieusement. Ah, de l'or, parfait. On va boucher ça là. Super. Bon, on a qu'un, je suis sûr, voilà. La loose. Le fer, je ne le ramasse plus, hein, parce que bon, je vois pas ce qu'on peut en faire. Ah, voilà, c'est ça que j'aime, vous allez comprendre. Je pense qu'on va pouvoir descendre par là. Ah, du lapis, parfait. Oui, donc, en 1.8 aussi, ça a été un des ajouts qui est super. Donc déjà, le lapis, je sais pas si vous savez, ça donne beaucoup d'XP comme minerai. Mais maintenant, pour les enchantements... si vraiment vous voulez faire un enchantement de niveau 30, dans les versions antérieures, vous aviez besoin de 30 niveaux, et quand vous enchantiez, les 30 niveaux y partaient. Maintenant, vous avez juste besoin de mettre... Vous avez juste besoin d'avoir 30 niveaux, 3 lapis, vous mettez 3 lapis dans votre table d'enchant, je vous montrerai ça si on trouve des diamants. Vous mettez vos 3 lapis à côté, et ça vous gaspille que... coûte que 3 diamants, enfin que 3 niveaux, pardon, m'embrouille. En fait, c'est en fonction du nombre de lapis que vous mettez, si vous préférez. Sachant que pour le nombre de... En fait, si vous mettez 3 lapis, c'est pour avoir le dernier enchantement tout en bas. Attends, enchantement. Et non, c'est vachement sympa les mises à jour qu'ils ont faites. Ouh, la chauve-souris. J'ai vu un creeper là-bas, à de l'or. Alors, si le creeper est intelligent. Non. Si, pardon. Là, ce qui va venir. Ah oui, vous voyez. Ils sont super intelligents en fait. Hein. Les creepers... Ouh, ça a explosé. Heureusement, j'ai rien eu. Et les creepers n'explosent pas l'obsidienne, c'est bon à savoir. Ouais, on va juste mettre une petite torche là. Oh, là, vraiment, s'il y a un archi, il nous pousse par derrière. Mais... Oh, moi, je m'en bats les secs. Ah oui, la redstone, ça va nous servir. Pour les potions. Ah oui, il y avait un glitch, attendez. Il y avait un petit glitch. Avec la redstone, j'essaie de vous montrer ça. Ouais, donc là, normalement, on est à la couche combien? 11, couche 11, c'est parfait. Ouh, putain, l'araignée. Elle est folle. Eh, hey, j'aurais pu être en 4 TP, je me serais bien débrouillé. Il suffit juste de rajouter les joueurs. C'est... un énorme désavantage, parce que j'ai perdu aucun cœur depuis le début, je crois. Allez, de l'or. Ouais, ça... Si on va faire gaffe. Il n'y a toujours pas de diamant. Je pense que je n'aurai pas beaucoup de chance. Sur ce niveau-là. Ouais, de l'or, on va le prendre. Non, ne pas manger la pomme. C'est une très mauvaise idée. Hop. Allez, plus. Ah, voilà. Je crois qu'il nous en faut 9. Ouais, c'est la pomme. Ouais, donc la pomme de notch a l'air un bon objectif, hein, je pense. Par contre, ça va me coûter très très cher en or, mais c'est un très bon objectif.
que je pense que je vais essayer de réaliser. Là normalement on a quelque chose. Là on a quoi? Pense qu'on va retomber. Attends, y a un squelette. Ah là bah vous l'avez vu. Je ne sais pas. Ah bah le four, on le voit entre les blocs. Je vais juste me faire quelques torches en plus. Hop. Voilà, 32, ça suffit. Allez, on va aller le niquer. C'est très mauvais ça. Je le sens mal. Voilà. Ah le con. Lui, je pense qu'il va nous mettre des dégâts. Et ben voilà, c'est qui le meilleur? Oh, il y en a un deuxième, le fourbe! C'était un piège! C'était un guet-apens! Et non pas un guet-apens! C'est pas la même chose. Bon, je n'ai rien contre les guets, rassurez-vous. Je suis bien plutôt pauvre, hein? Non, je rigole. Rassurez-vous. Je ne viendrai pas vous violer. Ah, de l'or, mais parfait ça! L'or, je me souviens, avant, il y en avait beaucoup moins. Je pense qu'ils ont dû augmenter le nombre de pourcentages. Attends, j'en avais vu autre part, non? Oh, c'est fou comme j'oublie tout. Par contre, je sais pas du tout à combien de temps on en est. Je vais arrêter à 55. Allez, un or, super. Bon, là, ça sert à rien si on veut trouver du diamant. Oh, la musique. Et les musiques sont vachement bien faites, hein, quand même. Bon, allez, on va redescendre, on va voir s'il n'y a pas... Ah, voilà, je me disais bien que j'en avais vu. Ok, un seul aussi. On a 9, c'est pas... Bah là, on peut déjà se faire une pomme dorée. On va pas la faire. On va essayer de garder pour la pomme de Notch. Notch, pour ceux qui ne savent pas, c'est le créateur de Minecraft. Il y a Notch et Jeb, je sais pas quoi. Je sais plus comment il s'appelle, l'autre. Il y a une tête de roue. Voilà. Oh, genre, le petit bloc, on va le laisser si on a besoin d'un bloc de lave. Et je vais pas trouver de diamant. Je veux trouver un diamant dans cet épisode. Ouh, oh, ah, c'est moche ça. C'est quoi? Attends, on va boucher ça. On va faire ça. On va mettre de la cobble partout. Ouais, donc pour en revenir à l'histoire de Marine Le Pen avec la torture, c'est vrai que ça, quand vous entendez ça, ça fait quand même peur qu'on soit obligé d'en parler. Comme je vous ai dit, si vraiment on peut sauver des vies en pratiquant la torture, mais allons-y gaiement. Non, mais je veux dire, ils sont quand même fous les gens. Non. Je suis en train de réfléchir. Enfin, j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. M'en dirai des nouvelles de cette idée. Si un jour je veux être président pour sauver la France, c'est que quand on y réfléchit bien, on se met en crise pour rien. Réfléchissez. On se fout dans la merde pour rien. On se fout dans la merde pour un petit billet vert en fait. Pour un petit truc en papier. Yes. On se met dans la merde pour rien. Mais réfléchissez un peu. En fait, à la base... Oh putain, on en a plein. À la base, c'était juste pour avoir une petite monnaie pour faire genre, mais... Maintenant, je veux dire, pourquoi on ferait pas quelque chose? Un pays où tout serait gratuit, sérieusement. Attends, on avait niqué le creeper parce que j'ai peur qu'il vienne après. Je veux dire, c'est quoi de mon con, hein? Il faudrait tout supprimer, que tout soit gratuit. Bien sûr, ça... Ce serait différent. Bien sûr, ce serait bien différent. Ça prendrait pas mal de temps, je pense, à tout réformer. Et bien sûr, devinez qui serait pas d'accord, bah, ce serait les riches, évidemment. De toute façon, je pense que on n'est jamais d'accord, en fait. Après, c'est ça qui est bien, mais bon, voilà. Je pense qu'on trouvera jamais, on sera jamais tous d'accord. Il faut trouver quand même quelque chose qui convient à tout le monde, c'est parfait. On a les 3 diamants et diamonds, yeah! She likes to the diamond, wouhou! Alors, je chante maintenant. Bon, les amis, on va se laisser sur ce fight. Ah, les zombies sont très cons, j'ai l'impression. C'est quoi ce bruit? Non, normal, je crois.
Bon, en tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai même envie de tourner un autre épisode là, juste après. Mais non, faut... Je serais super content de le tourner... de le mettre samedi. Oh putain, mais ça n'arrête pas. Ah, premier demi-cœur perdu. Bon bref, on va se laisser les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Donc comme je vous l'ai dit, dans l'épisode précédent, si vous avez envie que je parle de quelque chose, ben dites-le moi, ça me fera plaisir. On parlera un peu plus de mon idée pour être président la prochaine fois. Allez, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. Et là, on ira dans le Nether, ou alors on s'enchantera peut-être. Allez les gens, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.